pas évident de négocier avec le gouvernement. La première entente collective, ça a été beaucoup sur les avantages sociaux, sur le pécunier. On était chercher des avantages sociaux, l'RQAP, le fonds de santé, le droit à s'inscrire à la CSST. Il y a des sous qui venaient avec ça. On a le droit des vacances qu'on n'avait jamais eu, puis de l'argent pour les prendre. Parce qu'il y en a qui prenaient des vacances avant, mais faut-tu les finances? Puis il n'y avait pas d'argent supplémentaire. Là, on a de l'argent pour les vacances. On a une obligation de prendre des vacances. C'est surtout là-dessus qu'on a la première entente collective. La deuxième entente collective, on n'a rien eu sur le pécunier, là. On a une clause remorque avec le secteur public qu'on attend de voir où ça va aboutir. Mais encore là, je pense qu'on va peut-être manquer certains montants parce que le gouvernement a comme écrit ça, puis ça va nous exclure de certains montants qui est accordé au secteur public. Où on a travaillé un peu plus sur les conditions de travail des responsables.